Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Raider Z. Donc on est arrivé à l'épisode 11 bien évidemment. Et dans cet épisode, on va continuer les quêtes de Terrace Plain. Car on n'est pas au Ringgold Village comme on croyait. Car il nous reste encore beaucoup de quêtes sur Terrace Plain. Désolé de m'avoir trompé. Donc la quête qu'on a à faire, c'est de tuer 5 Vespio, je sais pas comment il s'appelle, mais bon, on s'en fiche un peu. Donc en fait, on va juste suivre la flèche pour les battre. Et après, donc, on va continuer les quêtes principales, bien sûr, parce que je le rappelle, je ne fais que les quêtes principales et rarement les quêtes secondaires, à moins que je le fais en off, mais c'est très rare. Donc voilà. Alors les Vespio, je crois qu'ils se trouvent justement à la maison qu'on peut apercevoir d'ici. Oui, c'est bon, je m'en rappelle. Alors, Vestia Gritsworld. Ok, par contre, eux, il faut pas les battre. Donc, on va essayer de s'éloigner le plus possible de eux. Oula. Alors, attendez, je vais régler ma qualité pour que ça ne lag pas. Ouais. Enfin, voilà, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Voilà, désolé. Donc, voilà. Alors. Les Vespio Greatsword se trouvent ben là, normalement. Ils doivent se trouver ici. Alors, non, c'est pas eux. Lui là-bas, peut-être. Ok. Ah non. Ok, on se mange de véritables vents. C'est incroyable. Attendez, bon, bah, on va essayer de les trouver quand même. Je crois que c'est eux en fait. Mais ils sont juste appelés Vestio Gangbanji à la place de Greatsword. Donc on va essayer d'en tuer un pour voir ce que ça donne. Ouh là là là. Yeah. Donc désolé pour cet épisode. Normalement je devais le passer avec un abonné. Mais il a eu quelques empêchements. Donc si vous voulez participer... Oh. Ah non, en fait, les Vestio Gatsu, c'est les items qu'on trouve justement dans les Gangbanji. D'accord, fallait me le dire plus tôt, ça. Ok, ben c'est parfait. Donc oui, je disais, si vous voulez participer au prochain épisode, donc pas celui-ci, parce que, justement, celui qui avait un empêchement aujourd'hui va normalement passer dans le prochain épisode. Mais justement, peut-être il aura aussi un empêchement la prochaine fois. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez participer au prochain épisode. Je vous mets dans ma liste et comme ça, si il a un empêchement ou quoi, ben vous participerez. Ou tout simplement pour le prochain let's play, enfin pour le prochain épisode, pardon. Donc après celui qui va venir la semaine prochaine. Donc voilà, j'espère que ce sera un petit épisode sympa. Donc je le rappelle, pour l'épisode, c'est soit vous participez par Skype et sur le jeu. Donc pour m'aider aux quêtes avec ce perso-là. Et soit ben vous n'avez pas de micro, mais c'est pas grave, vous pouvez toujours m'aider pour les quêtes. Comme ça, ben, on avance un peu plus vite dans le let's play. Donc voilà, c'était quelques précisions. Alors, on va continuer cette quête. Oula. Ah oui, et pour le PVP avec les abonnés que je vous avais promis, je commence à up mon perso principal. Donc, il était level 13, je venais de m'en rendre compte. Moi qui croyais qu'il était level 16, ben, j'en étais loin. Et donc, dites-moi d'abord vos levels, comme ça je sais un peu. Je l'up au niveau combien, parce que j'ai pas envie de recréer de perso. Donc, je pense que je vais le mettre niveau 16. Comme ça sera à peu près au niveau de tout le monde. Parce que la plupart des gens qui ont participé sont level 16. Donc voilà, je le mettrai level 16. Donc j'ai réussi à monter niveau 15 juste hier. Et normalement, aujourd'hui, je devrais passer niveau 16 normalement. Alors, Vestio Belt. Par contre, le seul bémol, c'est qu'on trouve pas de Vestio Dagger, pardon. Ce qui va beaucoup m'embêter. Je pense qu'on va les trouver dans les autres. Ouais, les monsieur là-bas, les Cateran. Ok, bah on va voir là-bas. Oula, par contre, on va prendre une petite potion. Ah ouais, il m'en reste qu'une du coup. J'ai oublié d'en prendre. Honte à moi. Ouais, j'essaierai d'en prendre juste après cette quête. J'ai pas envie de mourir en pleine quête, moi. Oula.
c'est qu'ils font mal. Voilà. Ah, je vais l'enchaîner avec mes skills. Ouh. Allez, normalement, il n'y a pas le temps d'attaquer. Superbe. Alors, est-ce qu'il y avait des Vestia Dagger? Oui, bah voilà, il avait des Vespio Dagger. Donc, c'est bien sur les Cateranes. Alors, ouh. Attendez, je pense que j'ai des potions. Est-ce que j'ai... Oula, attendez, elle est en train de m'attaquer, là, je l'ai... Ah, j'avais même pas vu. En plus, c'est pas elle que je vais attaquer, moi, c'est... C'est les autres. C'est les Cateranes. Yeah. Ouh. Ah, mais il fait mal. Ah oui, là, je vois juste à droite, en haut à droite de mon écran, que la durabilité de mon armure a baissé. Alors, je vais voir. Ouh, oui, je n'ai plus d'armure, je comprends mieux. Donc, on finit juste cette quête et on va changer notre armure. Oula, ah, je l'avais même pas vu, c'est ça le pire. Instant. Oh, ça, je vais l'utiliser, bah tiens. Alors, hop. Voilà, F1. Oh, superbe. Bah, je récupère 1000 HP. Mais c'est superbe. Je crois que c'était un event, ça, ou quoi. Bon, ils sont les Cateranes. Cateranes, il n'y en a pas beaucoup. Ça va nous poser problème, ça. Ah, bah, il y en a un ici. C'est parfait. Ouh. Y a pas quelqu'un qui peut m'aider, là? Ah, oui, toi. Viens m'aider. Attends, mais... Ben merci, hein. Merci de la coopération. Franchement, moi, tout à l'heure, je crois que ça avait aidé, non? Ah non, je pense pas. Ah, elle a dû se venger, du coup. Bon. Voilà, on en a trouvé un deuxième. Maintenant, il nous faut un troisième Vestia Dagger. Allez, toi, viens par là. Je vais me faire enfoirer. Yeah. Ah, vous voyez... Ah, on prend cher quand même parce que notre armure, elle a complètement baissé. Du coup, on finit cette quête, on retourne à Innifreeport, changer notre armure parce qu'il nous en faut une au plus vite. Ah, on va essayer aussi de passer level 12, comme ça on en prend une level 12. Ça serait beaucoup mieux quand même. Voilà, allez, plus que 2 et c'est bon. Les Cateranes, ils sont où? Ah, je crois que c'est un Cateran, lui. Non, c'est pas un Cateran. Il doit y en avoir dans la maison, sûrement. Ou non, il n'en a pas dans la maison. Et dans l'autre, alors. Ah, mais c'est qu'ils se font rares. Oula. Ah, non. Elle s'en est occupée. Donc, les Cateran. Ah, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon, on va attendre qu'ils repop. C'est le seul moyen. Ah, non. Attends, mais le monde est envahi par des gangs bandits ou quoi? Ah non, ça c'est même pas un Cateran. Ok, on va essayer de trouver autre part parce qu'apparemment ils veulent pas spawn. Non, là-bas non plus. Oula, faut pas se faire aggro par les autres par contre. Ah merde. Ah mais si, il y en a là-bas. Moi je les avais pas vus. Ok, bah je vais me faire lui là-bas. Par contre, faut... ah non, ah non, c'est des members. Ah, enfoiré, je t'avais pas vu. Bon, on va voir sur les members s'il y en a aussi. Par contre, toi, viens par là. J'ai pas envie que j'aggro l'autre. Non, mais pourquoi j'ai utilisé ce skill? Ah, moi qui voulais pas aggro l'autre, et ben j'utilise la mauvaise façon. Allez, allez, je vais finir avec mon nouveau skill, tiens. Mon skill que j'adore d'ailleurs. Ah merde! Ah! Bon, viens. Tu veux t'appâter? Bah, tu vas l'avoir. Heureusement que notre arme, elle a pas encore diminué de durabilité. Enfin, du moins, je crois, je pense. Je sais même pas. Faudrait que je regarde, en fait. Ouais, faudrait que je regarde. H. Oula! Elle n'est pas encore totalement pétée, mais elle est bientôt. Par contre, notre marteau, si aussi. Ouais, faut vraiment qu'on passe à Ingen Freeport. Et qu'on trouve ces Cateranes, par contre. Alors, c'est un Cateran. Oh oui, c'est un Cateran, superbe. Attends, lui, je vais l'attirer juste vers moi. Viens par là, ça. Allez.
Vas-y, viens, viens encore là-bas. Allez, viens. Voilà, je vais pouvoir m'occuper de toi sans attirer tes amis. Enfin, du moins, je l'espère. Parce que peut-être ils ont une bonne vue, du coup, ils vont peut-être me voir. En fait, ils sont juste à côté de moi, mais ils n'arrivent pas à voir leur ennemi que je suis en train de le taper. Aïe, je fais mal. Oulé, voilà. Bon, voilà. Ah, superbe. Allez, plus qu'une et on en a fini. Ok, il y en a un là-bas, va falloir l'attirer des autres, mais ça va pas pouvoir être possible. Oh merde, mais pourquoi tu cours, toi? Attends, il y en a pas des autres, là, quelque part? Non, bah je pense pas, donc on sera obligé de se faire allumer. Bon bah c'est pas grave, viens le Caterham, allez, allez, je pense qu'on va pouvoir le prendre. Viens, viens, je suis à côté de toi là, viens. Viens encore un peu. Ah merde, je pense qu'on a attiré le member du coup. Ok, je vais devoir me faire les deux. Allez, on va activer notre skill de buff d'attaque. Ah non, en fait non, on est dans la merde, on a attiré les trois. Ok, 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 ok. Allez, bim, on les transperce, hop. Voilà. Oula, je pense qu'on va se faire tuer, c'est abusé. Ah, on va bien se faire laminer. Allez, vite, boîte à potions. Viens, y a pas quelqu'un pour m'aider, là? Une âme charitable, s'il vous plaît. Ah! Mais laisse-moi au moins taper, quoi. Ah, merde! J'ai même pas eu le temps de le finir. Ça serait cool si j'aurais... Ouais, c'est ça que je voulais. Ok, super. Ils en avaient pas? Ouais, bah c'est sûr qu'ils en avaient pas. Viens, le Caterham. Hop. Voilà, je l'ai fini. Oh non, pourquoi on peut pas se retirer là? Ok, c'est bon, on a fini notre carte. C'est parfait. Donc on va passer à Ingen Freeport pour réparer notre armure. Et peut-être aussi acheter une nouvelle armure et une nouvelle arme. Donc niveau 12. Donc parce qu'il nous reste quand même 3% pour passer niveau 12, donc c'est parfait. Allez, on va compléter notre quête et on passe à Ingen Freeport. Ouh. Et ben ils nous ont fait galérer, surtout les Caterham. Ils ont attiré tout le monde. Heureusement que j'avais... Attends, c'est quoi déjà le nom de cet item? Je ne sais pas comment il s'appelle, c'est Charm of the Resistance, un truc comme ça. Ouais, je m'en souviens plus trop en fait. Mais en tout cas, heureusement qu'on avait notre enchantement, je vais appeler ça comme ça, pour revivre instantanément. Donc c'est superbe. Ah oui, il est là-bas pour compléter notre quête. Voilà. Show the weapon. Voilà, superbe. On est passé niveau 12. Ouh, on devrait éliminer plein de bestiaux. Ok, bon, bah pour l'instant, on va juste augmenter notre skill. Donc, qui sera, laissez-moi deviner, Enrage, on va plutôt prendre lui. Ça serait un bon choix, voilà. Donc, on va passer à Ingen Freeport. Donc, si je me rappelle bien, on n'a pas de Moa pour l'instant. Donc, ça fait un peu chier. Et on va continuer tout de suite. Alors, attendez, je regarde juste ma carte. Voilà. Ok, c'est tout droit. Ok. Ah, en fait, Evidence of Vestio Elimination, on avait déjà battu 15, donc il nous en reste plus que 5. Donc ça va nous avancer beaucoup, ça. Et bah, c'est superbe. On n'a plus qu'à aller à Ingen Freeport. Donc j'espère qu'il y aura une bonne armure quand même, et une bonne arme. Et j'espère qu'il y aura une arme d'ailleurs, parce que je ne sais pas s'il y a des armures et des armes pour les level 12. Je pense que c'est qu'au niveau 13, je m'en rappelle plus trop. Ah tiens, un truc de minage. On va miner, tiens. Tant qu'à faire. Et qu'est-ce qu'on trouve? Oh, du Cooper. Ouais, bon. Ah oui. J'espère aussi qu'on aura les composants pour créer notre armure. Parce que, du coup, on est dans la merde si on n'a pas ça. Ouais, du coup, ça, c'est... Ah. Ah, ok. En fait... En fait, on s'est pas acheté d'armure depuis level 3. D'accord. Quand même. Je comprends beaucoup pourquoi on se fait kill à chaque fois maintenant. Oh là là, je suis vraiment bête, moi, des fois. Bon, c'est pas grave. On va se rendre à Ingen Freeport, on va régler tout ça.
Désolé, j'ai pas de musique de fond pour vous passer pendant l'ennuiement total. Ouais, vous savez quoi, j'essaierai de vous passer une musique de fond. Ouais, je sais, je chante mal. Ouh. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ah, eux, je parie, ils sont level 11 et ils font des quêtes. Ah, j'étais prêt, j'allais... Ah, merde. Du player info. Ah, je peux même pas regarder. C'est nul. Ah, je crois que si on parle à lui, il va nous donner quelque chose. Ah oui, donc on va en profiter pour acheter des potions. Tiens, j'allais oublier ça. On va aménager tout ça. Donc ça, tu jartes. Et on va prendre des grillettes fiches. Donc c'est quoi? On va plutôt prendre du porc. Voilà. Voilà. Et on va en prendre quand même un peu beaucoup. On va en prendre 15, voilà. 15, ça devrait suffire. Allez, voilà. On le met ici. Alors, il est où? Faut que je le retrouve. Attendez. Ah, voilà, il est là. Super, on a des potions. Comme ça, on va éviter de mourir à chaque fois. Oula! Tournez de moi, ici. Ah, mais prenez-moi avec vous, s'il vous plaît. Ah, laisse-moi une place, toi. Ah, j'essaie de monter. Ah, non, s'il te plaît. Mais regardez tous ces mois, c'est abusé. Personne à pied pour m'accompagner. Vous êtes pas sympa. Ah ouais, le gars, en même temps, il est level 16, hein, je comprends mieux. T'inquiète, moi aussi, je serai bientôt level 16. Enfin, on sera bientôt level 16. Ok, super, bon, on est à Ingen Freeport. On va pouvoir prendre notre armure et notre arme. Et cette fois-ci, je prendrai plutôt une arme à deux mains, et non pas un marteau, parce que je préfère plus les armes, en fait. Ça me chante plus, je pense. Bon, c'est par ici. Elle est stylée, par contre, son armure. Bon, allez, c'est parti. Je retrouve où il se trouve le vendeur d'armes. Attends, c'est encore la Saint-Valentin pour eux. Ah non, c'est Pâques, pardon. Ok. Attends, mais pourquoi je lag autant? Putain, j'ai mis presque tout en l'eau. Enfin, l'eau, à part les textures, etc. Mais voilà. Ouais, normalement, là, c'est bon. Ça devrait être convenable pour vos yeux. Alors, est-ce qu'il nous propose des armes level 12? Oh, il nous en propose. C'est super. Par contre, il nous manque un iron. Ok. Et pour l'armure? Ok. Ok, ok. Ok, d'accord. Donc, il nous manque des durables cloths. Des durables cloths qu'on a sur les ringotes. Les ringotes, tiens, ça j'avais oublié. Ok, dans les ringot workers, ringot farmer. Attends, oui, mais ça c'est dans le ringot village. Ouh, ça, ça va nous poser problème. Et ça, on l'a où? Oh là là, plein de trucs. Oh. On va pas se prendre une armure level 11, n'empêche. Ouais. On va pas s'en réduire à ça, si. Bon. Ben, désolé, mais pour dépanner, on va prendre une armure level 11. Et donc, on va mettre dans notre récip. Donc, dans notre recette. Je crois que ça s'appelle comme ça. Notre nouvelle armure qu'on devra se crafter. Donc, désolé, franchement. Allez, hop, une petite armure level 9 pour dépanner. Voilà. Bah, c'est en même temps, c'est déjà mieux que level 3, hein, je peux vous le dire, ça. On sera un peu mieux protégé. Donc, voilà, j'espère au moins on va pouvoir se crafter tout. Ouais, c'est bon. Par contre, pour mon arme, je pense qu'il n'y aura pas besoin. Level 9, ouais, donc juste la réparer. Ou quoi que, peut-être qu'il y a une arme à mon level. Ah oui, c'est vrai, il me manquait... Ah bah si, je peux l'acheter. Ah non, ok, non, je peux pas me l'acheter, non. Il me manque un iron. Ah, attendez, si je me souviens bien, il y avait un marchand ambulant où tu pouvais acheter des iron contre autre chose. Donc il se trouve juste à la sortie de Ingen Freeport. Ouh, c'est ça, Lysiane. Oh, je l'imaginais beaucoup plus petit, moi. Oh, je pense que je vais m'en acheter un. Ah, bah non, il est pas là.
Normalement, il se trouvait ici. Ah bah dommage alors. Bon bah c'est pas grave. Bon bah on va juste réparer notre arme et c'est... Oula, par contre là c'est carrément une randonnée de chevaux. Ouh, ça a abusé. Bon, enfin bref. Et attends. Ça veut dire quoi? Ah ouais, quand il y a la petite étoile, ça veut dire qu'il est level 40 et qu'il a fini le jeu. Bon, c'est où qu'on répare les armes? Attends, normalement c'est là. Ah non, c'est pour enchanter. Ouais, je pense que je vais enchanter. Quoique ça sert à quoi aussi d'enchanter? Ouais, non, je pense pas à mon level. Je crois pas que ça va être très bien. Donc voilà, on va s'équiper de nos armures. Voilà. Et on va aller réparer notre arme. Oula, c'est très moche. J'aime pas. Ah, j'aime pas cette armure. Ah, surtout que notre perso il est assez maigre. Donc voilà. Allez, c'est là. Comment on répare par contre? Ouais, non, c'est pas ici du coup. C'est pas ici? Non? Non, c'est même pas ici. Attends. Comment on répare les armes? Ah, d'accord, c'est ici. Repair item. Two-handed sword of the pioneer. Je crois que c'est elle. Ouais. Ouais, non, c'est bon, c'est elle. Voilà. Donc là, normalement, j'ai réparé mon arme. Ouais, superbe. Ben, on va aussi réparer notre marteau, du coup. Tant qu'à faire. Repair item. Repair. Voilà. Faut pas être jaloux. Donc, maintenant, on revient à Terrace Plain pour battre les Vespio Elimination. Donc, je pense que c'est des mobs, ouais. Je pense pas que c'est des items cette fois. Enfin, du moins, j'espère. Bon, bah, on y va. Ah, merde. Attends, mais pourquoi il utilise pas son mot, lui? T'en as, mais tu l'utilises pas, mais tu sers à rien, toi. Ah, non. Ah, non, ne me dis pas qu'il y en a deux de moi. Oh, c'est super ça. Bon. Alors, c'est tout droit. Evidence of Vespio Elimination. Il faut que je regarde aussi c'est où. Je crois que c'est à Ringgut Village. Attendez. Ah ouais, non, mais je sais pas du tout. Ouais, je pense que c'est à Ringgut Village. Pouh, mais il magique même pas. Ça m'énerve ça. Il magique même pas. Comment vous voulez que je fasse? Prête-moi ton Lysiane, toi. Oh, radin. Bon, on va continuer. Regardez, là il y a des panneaux où c'est rien écrit. Qu'est-ce que ça? À quoi ça sert ça? Ils excusent l'argent, franchement. Bon, Evidence of Vespio Elimination. Attendez, attendez. J'en suis sûr, c'est quelque part. Ouais, c'est logique que c'est quelque part, mais je ne sais pas. Alors, collect Evidence of, and take it to Farmer Lind. March inside the farmer and the owner. Ok, donc c'est un item en fait. Mais cet item, il faut le récolter. And take it to Farmer Lind for the reward. Oula! Pourquoi le jeu est en anglais? Comment tu veux que je comprenne? Pff, ça m'énerve. En plus, on a plein de routes à faire là. Vespio et Carter. Peut-être c'est là-bas en fait. Ouais, je pense que c'est là-bas vu que c'est le village des Vespio justement. Ouais, bah on va voir ça. Allez. De toute façon, c'est juste à côté de nous. Ah, tiens, il nous fallait de l'iron. Du coup, on va miner. Ça va peut-être nous récolter de l'iron. On sait pas. Yellowstone, ok.
Et le stun, on n'en a pas besoin pour l'instant. Moi, il me faudrait de l'iron, s'il vous plaît. Ah, c'est pas une vendeur de minerais là-bas. On verra après. Bon, pour l'instant, notre quête principale est de ramener des Vespio Elimination. Donc, on ne sait pas où ils se trouvent. On ne sait pas du tout d'ailleurs. On va essayer de chercher. On va essayer de tuer des Vespio. Donc, qui se trouvent ici. Viens, toi. Est-ce que t'as des Vespio Elimination? Ouais, bah, si j'en ai récolté 15, je dois en avoir, c'est sûr. Ils doivent être sur les Vespio, j'en suis sûr, ça, c'est sûr et certain. Donc, après, si c'est sur ce genre de Vespio, j'en sais rien du tout. Vespio Belt, ah non, je pense pas que c'est sur ce genre de Vespio. Je pense que c'est ceux qui se trouvent à côté de la grange. Enfin, je sais pas si c'est une grange, c'est plutôt... comment dire... Ah, comment s'appelle ce genre de truc? J'ai déjà oublié. Tralala, ah, je sais plus. Trop de mémoire. J'en ai souvent, ça, des trous de mémoire. Vous l'aurez sûrement remarqué. Je ne sais pas pourquoi, en plus. Oh. Ah, laisse-moi le récolter, toi. Laisse-moi dépouiller ton ami, s'il te plaît. De toute façon, toi aussi, je vais te dépouiller, regarde. Voilà. Voilà. Et évidence. Ah, d'accord. Donc, c'est bien sur les Vespio. Sur tout type de Vespio. Bon, bah, c'est superbe. On n'aura pas trop de boulot à faire, en fait. Bon, bah, je vais m'en prendre deux en même temps, vu qu'on est des Warriors. Ah, ouais, du coup, on s'est acheté. Quand on s'est acheté notre nouvelle armure niveau 9, pitoyable d'ailleurs, ben, on a augmenté notre HP maximal, oui. Oula, du coup on est un peu plus résistant. Par contre, leurs coups ils font toujours aussi mal. Ah. Ouh, à toi maintenant. Ya. Yeah. Ouais, lui aussi il en avait. Et toi, est-ce que t'en as? Ah non, j'ai cru que t'en avais deux. Ça m'aurait facilité la tâche là. Mais non, bien sûr, faut que vous me compliquiez la vie. Bon. Après lui, je pense qu'on aura fini notre quête. Voilà. Ouais, c'est bon, c'est super. On n'a plus qu'à compléter notre quête et passer aux quêtes suivantes. Par contre, pour la suite du let's play, vu que c'est un MMORPG, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais donc hier, vu que j'ai joué un peu à Raider Z, vu que j'avais assez le temps, j'ai pu remarquer que même au level 14, il y avait encore de l'histoire. Donc je pense que bah, tant qu'il y a de l'histoire dans le jeu, tant qu'il y a des cinématiques, etc., on continuera à faire le let's play. Parce que c'est toujours ça, bah, on est toujours dans l'histoire, donc ça, on n'est pas encore... comment dire? On va pas continuer le let's play à... Eh, c'est un chat, ça. Minou, minou, minou. Tu veux du lait? Bon, enfin, bref. Oui, je disais... Ah, ouais, du coup, j'ai oublié ce que je disais. Ah, oui. Donc, tant qu'on a de l'histoire, on peut continuer le let's play. Tant que... Bah, on a... Enfin, tant qu'on continue pas le jeu juste en tuant des mobs pour continuer d'XP, tant que c'est pas comme ça, bah, on peut continuer le let's play. Donc, je vous rassure. C'est quoi, ça? Give 20 pièces. Oh... I'm looking for a man named Jars. Ok, ça c'est la quête que j'ai galéré et qu'un abonné m'a aidé à la faire. Donc juste hier justement. Donc j'ai assez galéré à la faire. Alors ok, on va bien chier les amis. Je peux vous le dire, on va en baver. Heureusement que j'ai pris mon stock de potions. Ok, bah c'est parti, on est chaud là. Ah, surtout qu'il n'y a pas de personne pour m'aider à faire la quête. Car cette quête, justement, normalement, on l'a fait en équipe. Et donc, je serai tout seul. Donc, oui, ouais, mais par contre, quand on l'a fait en équipe, du coup, les monstres sont un peu plus forts. Mais j'aurais préféré qu'on la fasse en équipe. C'est un peu chiant. C'est pour ça que je demande tout le temps à... Enfin, tout le temps. Que je demande maintenant à des abonnés ou à toi qui regardes cette vidéo... Si tu veux participer au prochain épisode pour m'aider justement aux quêtes de ce genre, des quêtes donc avec partie,
le préfixe partie, car j'aimerais bien que vous m'aidiez, parce que je ne suis pas non plus le maître du jeu Rider Z. Je ne suis pas un pro, comme croiraient certains. Mais bon, j'aimerais bien que vous m'aidiez à certaines quêtes comme ça. Comme ça, au moins, on perd pas de temps dans le let's play et on peut avancer normalement. Donc voilà, j'espère qu'il y aura des participants pour le prochain épisode, pour m'aider un peu comme ça. Donc voilà, voilà. Alors, le vestio... Donc en fait, on va se retrouver dans une cave, une sorte de mine, de tout plein de vestio. Donc il y aura des vestio gangs pleins de rares, comme vous pouvez le voir. Des gangs outlaws, des traîneurs jonans. Ah oui, ça c'est un mini... C'est le boss avant le gros boss. Avant le gros boss, pardon. Et donc le gros boss, c'est le Asso Captain Pompeius, qui lui, on va en baver. Ouh, alors, est-ce qu'il y a de l'iron ici? Non, toujours pas, c'est chiant ça. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Ouh, là je stresse. Oula, monster de fit. Ok. Donc, vous voyez qu'il y a déjà les plunderers, donc c'est les plus faciles à tuer. Ah, ils font même mal d'ailleurs. Allez. Ouh, il se protège. Enfin, elle se protège vu que c'est une femme. Oh, est-ce que tu lâches des trucs? Ouais, pas très intéressant les trucs que tu lâches. Bon, c'est pas grave, c'est toujours ça. Oula, faut que j'en attire un. Sinon, j'ai pas envie de me faire les deux. Viens. Aïe, 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 tu me fais mal. Viens. Viens, viens encore par là. Pour pas que l'autre, il me cherche des nouises. Vas-y. Donc normalement, vu que je l'ai fait hier, normalement j'ai l'expérience de pouvoir la faire sans être kill. J'espère que je pourrai la faire aisément. Donc là il y a quelque chose, ouais. Donc passons au Outlaws. Oh, Outlaw au singulier. Ouh. Ah merde, je crois que son ami va se joindre à nous. Ouais, je le disais ça. Ah par contre lui c'est un mage. Il va nous poser des problèmes. J'aime pas les mages moi. Aïe aïe aïe, ils font mal les mages. Eh, d'où tu me brûles? C'est moi le pyro ici. T'es malade toi. Putain, tu mérites de crever, crève. Crève. Agenouille-toi devant le maître. Voilà. On ne pyro pas un pyro. Bon, toi. Ouais, pas très intéressant ce que vous me donnez. Moi, je veux de l'iron, si possible, pour ma nouvelle arme. Viens, viens. Viens encore. Voilà. Ah ouais, en fait, je pense qu'on va pouvoir la faire normalement. Mais, par contre, faut pas trop prendre confiance. Peut-être que là, c'est facile, mais peut-être qu'après, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, faut pas trop prendre la confiance. Alors, toi, viens par là. Yeah. Voilà, tant qu'on le met à terre, on peut l'enchaîner facilement sans rien craindre. Oula, voilà, je l'ai fini, plus que un. Après, il faudra passer au Vestio Gang Outlaws. Oh, super, c'est quoi? Alors, son premier skill, c'est ça. Et son deuxième, ok. Bon, on va l'utiliser, tiens. Tant qu'il nous la donne. Ah ouais, par contre, elle s'use dans 20 secondes. Donc, je pense... Bon, on va se faire que lui. Est-ce que ça fait mal? Ouais, pas trop en fait. Ouais, c'est déjà 100. Oh, on peut spammer avec ça. Superbe. Allez, hop, j'utilise un peu mon deuxième skill pour l'assommer. Eh, pas mal en fait. Oula, non, non, faut pas que je m'attire tout le monde. Ouf. Bon, est-ce que t'as un... Non, t'as rien. Bon, là, il faut se faire eux. Ouh. Bah approchez. Ah non. Quand je vous le disais que je détestais les mages. Ah. Aïe. Allez, crève-toi. Faut que je m'occupe du mage en premier, parce que sinon il va me poser beaucoup de difficultés. Yeah. Ouh. Voilà, superbe.
On l'a tué. Toi non plus, t'as... Non, t'as rien d'intéressant. Bon, à vous. Et normalement, j'ai fini les deux premières tâches. Je pourrais appeler comme ça. Aïe, 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 aïe. Ah, après eux, je vais essayer de reprendre la vie. Comme ça, au moins, on sera OP pour les autres. Voilà, ok, super. Voilà. Ok, ok. Ah non, on avait oublié de ramasser ça. Ok, on va reprendre de la vie, donc avec F2. Ouais. Pour pas user notre première chose, parce qu'elle est très très spéciale. Elle va nous être beaucoup utile avec le boss, donc j'ai pas envie de la gaspiller. Hop, toi tu vas crever. Hop, je vais utiliser mon skill de buff d'attaque. Ah! Mais je vous déteste, bande de mages de merde là! Tiens, ta face! Viens de battre à main nue là, comme ça, comme lui là. Enfin, même s'il a une épée, mais voilà. Je considère ça comme du main nue. De toute façon, on peut pas se battre à main nue. Crève, enfoiré! Voilà. Bon. Voilà. Ok, maintenant on va passer au mini-boss. Donc oui, je la passe le mini-boss parce qu'il est assez dur à tuer. Enfin, depuis la dernière fois que je l'ai tué. Oula. Donc vous voyez, quand il y a une barre comme ça qui s'affiche, c'est que c'est un mini-boss. Il faut faire aussi gaffe à son chien. Donc on va s'en occuper en premier. What the? Le truc, c'est quand je l'ai fait la première fois, j'avais oublié de prendre aucune potion. En fait, j'en avais pris aucune. Du coup, ben, je devais recommencer à chaque fois. Et j'avais même pas assez de sous pour m'acheter des potions. Donc, j'étais dans la merde, quoi. Je devais la refaire plein de fois, la quête. Ça commençait à me gaver. Et je pense que c'est à cause de ça que j'ai arrêté un peu Rider Z. Je pense, ouais, je pense carrément que c'était à cause de ça. Donc, voilà. Maintenant, mon abonné m'a aidé. Donc, c'est superbe. Oula, par contre, j'avais beaucoup de choses lui à me donner. Plain Ring, ok. Eh, super. On va s'en équiper, ça. Allez, équipe-toi-en. Ah, ok, d'accord. On peut pas. Ouais, est-ce qu'il y a... Moi, non, en fait, j'ai beaucoup plus facile à tuer que la dernière fois. Je ne sais pas d'où ça peut provenir, d'ailleurs. Pourtant, j'avais le même équipement. J'avais... Enfin, j'en sais rien. Bon, maintenant, on va passer au deuxième boss. Enfin, cette fois-ci, ça sera un grand boss. Ok, on va s'occuper d'abord de ses gardiens. Ouais, je pense qu'il va nous donner du fil à retordre, le grand boss. Ah, merde! Elle m'a dodge! Enfoiré! Foirette! Voilà! Bon. On va passer à eux. Donc, je vais essayer d'en prendre un par un. Ou les deux en même temps. Ouais, on va se manger les deux en même temps. Ça va aller beaucoup plus vite. Yeah! Ah, c'est nul. J'ai pas de arme pyro. Ah, c'est beaucoup plus chiant du coup. Moi, je me crois encore sur Borderland avec mon sniper pyro. Et tout mon équipement pyro en fait. J'ai tout chez moi dans Borderland 2 et en pyro. Dommage que c'est pas pareil sur Rider Z. Ah, sinon, pff, je me ferai tous les boss du jeu avec ça. Ah, d'ailleurs, j'ai bien envie de voir le boss final du jeu. Parce que j'ai un peu vu les images du boss du jeu. Il a l'air quand même assez effrayant. Donc, il ressemble un peu au boss de Monster Hunter. Qui s'appelle, si je me trompe pas, soit le Rathalos, j'irai. Soit l'Alatrion, mais... Par contre, là, l'Alatrion, il y a du level. Donc, c'est pas du tout pareil, je peux vous le dire. Moi qui est un grand connaisseur de Monster Hunter. Ah, ils font mal, c'est pas pareil. Ouais, par contre, faut pas s'attirer le boss en même temps, sinon on va morfler. Allez, je m'occupe des deux en même temps, je suis un fou. C'est bon, pareil. Voilà, on les a finis aisément, tranquillement, si, si. Ouais, je parle comme ça, ouais. Donc, attendez, on va reprendre toute notre vie. On va devoir user notre potion. Et vous allez voir qu'il est assez difficile. Donc, c'est parti.
Allez. Oula. Rien que la musique, elle a changé du coup. Ouh, regardez son épée, je la veux. Ah, ah, on prend déjà cher. Bon, on va utiliser notre nouveau skill. Peut-être qu'il va nous servir à quelque chose. Alors, attendez. Faut d'abord que je l'enchaîne à terre. Et... Ah, merde. Il y a counter mon skill. Ah, c'est un enfoiré. Ah, mais c'est un enfoiré. Bon, on va s'occuper de ces gardiens-là qui font chier. Ah, da. Pourquoi il reste planté là, rien faire en fait? C'est un bug ou... Oh non, il préparait un skill, cet enfoiré. Ouh, ouais, je me disais bien, c'était louche. Aïe, 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 aïe. Il faut le finir à tout prix. Et je me disais bien, il restait planté là comme ça, mais en fait, j'ai préparé un putain de skill. Oula, ah, il sait aussi counter. Ah ouais, bah en même temps, c'est un humain, lui, c'est pas... C'est pas un vulgaire mob. Allez. Ah, il a refait son skill. Allez, on y est presque, on va bientôt le battre. Yada! Ah merde, il lui restait un tout petit peu de vie. Ça aurait fait plus stylé si on l'aurait battu grâce à notre skill. Enfin bref, on a battu ce petit boss. Enfin, c'est plutôt ce grand boss quand même. Et donc, on a récupéré quelques composants sur lui. Black Crystal qui va nous servir à crafter une armure. Ok, et donc on va s'occuper de lui, quand tant qu'à faire, on va tout finir le donjon. Ça va nous rapporter un peu plus d'XP. Voilà. Et... Ah, voilà, super. Ok, bon. On va retourner à Terrace Plain. Et on va en finir... Enfin, on va compléter notre quête. Donc voilà. Alors par contre, je ne m'en souviens plus trop où fallait compléter la quête. Oula, j'ai encore des trous de mémoire. Ah, faut que j'aille voir un médecin. Non, je rigole. Ouais, du coup, on va se ramasser tous les Vespiaux, je pense. Normalement, à ce niveau-là, on n'avait pas à moi. Si, je pense que si. Non, c'est au niveau 13, pardon. Ouais, non, mais normalement, justement, on est au niveau 13 à ce moment-là. Ouais, on verra après. De toute façon, je pense que dans l'épisode prochain, on ira faire un tour à Ingen Freeport pour voir comment on a les Moa ou les Lysianes. Donc, c'était le loup à queue donc qu'on avait vu là-bas. Donc, même le loup avec la crinière violette, je sais pas si vous vous en souvenez. Donc, c'est ça, un Lysiane. J'en avais jamais vu auparavant, c'est très rare que j'en vois. Et donc, ben, on va essayer de s'en prendre. Hein. Mais je pense pas que c'est à ce niveau. Et donc, pour ceux qui veulent savoir comment on a ce cheval, en fait, c'est dans la boutique sur le site internet. Donc, je pense qu'il coûte 10 euros. Donc, un abonné l'a acheté, lui, et donc, il coûte 10 euros. Et j'aimerais bien l'avoir, du coup, je pense que je vais me l'acheter pour ce let's play. Ça pourrait être sympa. Ok, alors, la quête... se trouve juste là-bas. Et on peut prendre... Oh, qu'est-ce qu'elle a? Ma voix, elle part en couille. Ouais, on va prendre cette quête. Je ne sais pas à quoi elle sert. C'est quoi? Blue Lizinina. Attends, c'est quoi ça? Jesse's Warrior. Ok. Ok, ok. Non, mais je vais d'abord compléter la quête, là. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle cherche, là. Ok, alors... c'est ici. On va la compléter. Et normalement, on sera arrivé à 50% pour passer level 13. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va plutôt prendre de la vie. Parce qu'il nous en faut beaucoup, ça, de la vie. Voilà, ok, c'est superbe. Donc, ouais, on va compléter quand même cette quête. Tant qu'à faire. Puis, bah, je pense que je vais vous quitter ici. Parce que sinon, ça va faire trop. Et puis, je pense que on a bien avancé dans cet épisode. Donc on s'est créé une nouvelle armure, on a battu un boss, on a fait plusieurs choses. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, ouais. Ouais, donc ça, on le fera pour le prochain épisode. Donc qui sera l'épisode 12, si je ne me trompe pas encore une fois. Et donc je vous dis à la prochaine pour cette fois-ci un épisode de Borderlands 2. Et je ne sais pas si je vais le faire, mais peut-être je vais faire un let's play express sur Evoland. Donc c'est un jeu où vous devez évoluer de la 2D toute pourrite 8 bits
à la 3D Full HD. Donc j'ai déjà joué récemment, donc je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Et franchement, je peux vous dire qu'il est assez excellent. J'aimerais bien vous en faire parvenir dans un futur let's play. Donc je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.